Salut à tous! Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour un unboxing. Alors, celui-là, c'était... J'ai un trou de mémoire, ça y est. Je commence mes vidéos dans un trou de mémoire. Ça ne va pas aller pendant le reste. Shane, ou Shane, ou comme vous voulez. Je m'en fiche du moment que c'est dit. C'est ça! Alors, déjà, ça commence bien, c'est que j'ai oublié... j'ai oublié mon petit calepin, donc. On a une, deux, trois et quatre toiles. Donc là, je reviens tout de suite. Je vais chercher mon calepin pour vous dire les prix. Et puis, on se retrouve tout de suite. Mais on va essayer avec mon calepin. Alors, tac. Cosmalaurie. Shane. Shane. Donc, j'ai commandé tout ça le 6 juin. Et je crois que je l'ai reçu autour du 15 juin. Donc ça a été ultra rapide pour du Shein. J'étais très, très surprise parce qu'habituellement, ils mettent toujours 2 heures. Enfin, 2 heures. On va dire 10 ans plutôt. Alors, on va commencer ça tout de suite avec la première. Alors, il me semble que celle-ci est une toile partielle. J'adore. Elle est trop belle. Wow. Alors je ne les ai pas dépliés pour pas me faire l'effet gâché avec vous. Donc voilà, donc là on a une toile hibou, donc c'est un 30 par 30. À mon avis c'est un 30 avec bord inclus, hein, parce que il est vraiment, regardez par rapport à ma main, elle est toute toute petite. Donc c'est une partielle, tout n'est pas, le fond n'est pas, enfin il y a quand même pas mal, mais le fond n'est pas, le fond marron n'est pas à diamant. DP quoi. Donc voilà. Voilà. Par contre, j'aurais juste un tic, c'est-à-dire là par exemple le rouge. Oh, si on se met pas ultra près, on voit pas que c'est un numéro 5. C'est. Les autres sont super bien imprimés de partout, sauf le rouge. Le rouge est très mal imprimé. Alors, avec vous avez le toolkit de base qui va bien sûr aller dans ma boîte. Et je l'ai payé 3 euros. Donc pour 3 euros, honnêtement, elle est très jolie. Avec, nous avons... Alors, comme la plupart des toiles... Chut! Comme la plupart des toiles partielles. Alors là, c'est tout dans des sachets zip. Voilà. Donc ça, hop. Et donc, ouais, c'est tout dans des sachets... Oh! Ouh! Faut que je vous montre ça. Alors oui, donc je disais, j'adore la... Quand je vous dis qu'une mouche pète, je me déconnecte, mais c'est vrai, la preuve. Donc, c'est des petits cris en cristal, hein. Donc voilà. Donc là, on a une teinte rouge. Nous avons une teinte rose, un petit rose poudré. Un... Oh, joli bleu là. Voilà. Du bleu. L'argenté. Une sorte de vert marron jaune. Ouais, caca de bois quoi. Un jaune. Alors, en cristaux, c'est normal. Je vous dis pas, quand je tourne mes vidéos, moi j'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai deux calopsites. Pour ceux qui connaissent, c'est des mini perroquets ou mini perruches. Voilà. Et encore là, il est poli. Lucifer, on se tait. Ma meilleure amie, elle aime pas quand elle tourne des vidéos ici, c'est une horreur. Ils sont chiants. Donc là, on a genre des petites gouttes pointes. Je sais pas trop ce que c'est, dans les tons violets. Voilà. On a, je garde les plus beaux pour la fin. On a des comme ça. Lulu, on se tait. On a des comme ça bleus. Donc c'est vrai, vous voyez pas beaucoup dans les vidéos parce que je coupe au montage. Mais il y a des fois, je suis obligée de couper au montage tellement que je les envoie chier. Parce que moi, c'est des oiseaux en semi-liberté des fois. Alors c'est vrai qu'ils sont plus... Bon, actuellement, Lucifer est un jeune qu'on a recueilli sauvage. Enfin, recueilli. On a pris chez une personne sauvage. Et le problème, c'est que, bah,
Il est très indiscipliné. Et puis il est très sauvage. Là, je commence juste à pouvoir l'approcher. Lucifer! En sachant que les mains. Chut! En sachant que les mains, il ne l'accepte pas. Donc c'est très compliqué. En revenant à nos moutons, là, on a, deux... oh, on a Julio. Voilà, une sorte d'hologramme. Voilà. On a une goutte d'eau comme ça. Bleue. Oh, très jolie. Et là, en fait, je gardais les deux meilleurs pour la fin. Alors, on a un rose jaune holographique comme ça. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, en fait. Ils sont tellement beaux, ouais. Oh là là. Et on a celui-là en demi-sphère. Pareil, il va être vraiment beau. Donc celui-là, je rappelle, il a 13 couleurs. Il est très bien imprimé, bon, sauf la partie rouge. La partie rouge, le numéro 5. Sinon, niveau colle, il colle très bien. Très bien. Bah, il n'y a pas de numéro de... Enfin, de signes bizarres. Donc ça, c'est bien. Donc je rappelle, un 30 par 30 à 3 euros. Voilà. Alors attendez, hop, je remets tout ça là-dedans. Hop, on la replie. Alors moi, comme vous savez, mes toiles, je n'aime pas les laisser plier. Je vous montrerai toujours. Alors, la suivante, c'est une 30 par 30 aussi. Et ça suffit! Hop. Mon chéri doit en avoir marre, je lui balance des papiers dessus depuis tout à l'heure. Parce que quand je peux faire des vidéos que quand mon compagnon n'est pas là. C'est-à-dire les lundis, après-midi. Et les vendredis ou samedis, ça dépend de quelle journée il est. Bon, on dit plus la base dans la boîte. Alors là, on a un tout petit éléphant. Alors ouais, il mériterait d'être légèrement plus grand. Ta gueule! Il mériterait d'être légèrement plus grand. Parce que, voilà, je sais pas ce qu'il donne à la caméra. Mais bon, on le voit bien quand même. Hein, on le voit, le petit éléphant là, le jet d'eau qui... Voilà, on verra une fois fait. Il n'y a pas de raison, quoi. On verra. Donc celui-là, il a 25 couleurs. Ah oui, quand même. Donc je ne vais pas les sortir parce que sinon ça va être la galère. Mais en gros, voilà. C'est une toile entière, celle-là. Hein. Il n'y a pas de AB ou autre hein, dans celui-là. Hein. Ce n'est pas des diamants spéciaux non plus. Voilà. Il est tout simple, c'est un peu, alors c'est un faux 30 par 30 parce que du coup, pareil, c'est comme le hibou, hein. Il paraît très petit. Donc celui-là, le bébé éléphant, comme je l'appelais, 3,40 €. Alors niveau colle, il colle très bien. Et ben franchement, niveau impression, il est, ouais, il est nickel lui, hein. Il est nickel. Donc voilà pour la petite éléphant. Je commence à me faire aux unboxings. J'ai encore un peu du mal parce que c'est vrai que j'ai une mauvaise manie de parler très vite. Mon homme me le dit aussi. Mais j'y arrive pas en fait. Je n'arrive pas à ralentir. Alors là, on a quoi? Trop chou! Voilà, plus besoin de le dire. Donc c'est une 30 par 30. Mais je crois que c'est toutes des 30 par 30. Hein. Ah non, 60 par 20 l'autre. Bon, bref, 60 par 20, ok. Donc 30 par 30, c'est des petites licornes. 30 mimi, garçon, fille, trop chou. Ou fille, garçon, parce que les couleurs n'ont pas de genre, on s'en fiche. Voilà les couleurs. Donc pareil en sachet zip, hein, apparemment chez Shein, c'est comme ça. On a 18 couleurs, très bien imprimées. Ah oui, puis ça colle ultra bien. Je peux te passer au barbecue ce soir? Ça colle ultra bien. Celle-ci, elle nous a fait 3,20 €.
Alors, vous voyez, c'est vraiment tout en dessous de 5 euros, même de 4 euros. Hein. Il n'y en a pas une seule qui dépasse les 4 euros. La plus chère, c'était la selle éléphant à 3,40 €. Hein. Donc, voilà. Et la petite dernière. C'est vrai que je savais même pas qu'ils en faisaient, Shane. Et quand on me l'a dit, j'ai dit, waouh, la qualité, ça va être là. Misère. Voilà, on va rester en évitant les gros mots. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai dit, bah écoute, tente le coup, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison. On donne la chance à tout le monde. Alors, celle-ci, bah, vous vous doutez du début, hein, donc elle est... Ah oui, elle est longue quand même. Alors, tout le kit, on vire. Non, je rigole. Il part dans la boîte. Je vous dirai peut-être un jour, je vais peut-être les donner ou les mettre sur Vinted, on verra. Waouh, un beau petit homme. Donc c'est pareil, je pense qu'il mériterait d'être un peu plus large. C'est un 60, donc 60 par 20. Très bien imprimé. Alors, on dirait qu'il y a des paillettes de partout. La toile fait pailleter en fait. C'est surprenant. Donc, niveau colle, très bien. Niveau impression, bah là, alors là, tout est nickel. On a juste le 3 là, qui est bah, très foncé. Donc, du coup, on ne le voit pas super bien. Mais on le voit hein, quand même. Hein. Là, je chipote, hein, honnêtement, mais on le voit. Mais c'est très, très bien imprimé. Ah, bah là, c'est pas dans des sachets zip. Hein. C'est des sachets comme ça, normal. Voilà. Et des très belles couleurs, donc à faire, pourquoi pas entre deux. Donc c'est une toile entière, hein, celle-là. Et celle-ci m'a coûté 3,80 €, pardon, c'est même pas l'éléphant, c'est elle la plus chère. Voilà, 3,80 €. Donc voilà pour ce petit haul chain. Unboxing, plutôt. Bon, après, je trouve que pour une fois, ils ont été très rapides à la livraison. Quant à la qualité des toiles, bah, elles sont assez épaisses, donc on verra bien. Mais sinon... Eh, ça suffit! Sinon, je trouve ça relativement correct. Très, très correct même. Hein, Donc voilà, là nous sommes le lundi 28 juin.